Bonjour, bonjour. Alors, je sais pas ce que ça fait déjà au niveau de l'enregistrement. Là, j'ai les écouteurs. Je vais juste me balader en ville pour prendre quelques photos avec ceci. C'est le Lumix TZ80. Alors, c'est pas la peine de me dire qu'il y a des compacts plus performants. Je suis déjà au courant. J'ai aussi internet. Mais je ne vais pas m'acheter à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil qui sort, je ne vais pas l'acheter. Donc voilà. Lui, ça va très bien. Il est complètement éclaté. On va pas se mentir. Il est non seulement la stabilisation interne est complètement foutue, c'est-à-dire que généralement, une fois sur deux, quand je filme, la ligne d'horizon commence à basculer complètement. Donc je ne peux pas filmer avec. Et en plus, donc on peut changer le mode. Photos du genre naturel, neutre, etc., standard, monochrome. Et jusque là j'avais pas de soucis, mais il y a quelques temps j'ai fait passer en monochrome, depuis j'ai repassé en couleur, mais il refuse de m'afficher sur l'écran en couleur, il m'affiche uniquement en noir et blanc. Donc et je crois que quand je filme, du coup ça filme uniquement en noir et blanc maintenant. Par contre, quand je prends les photos, donc ça m'affiche en noir et blanc, mais ça me les prend bien, ça les sauvegarde bien dans le mode que j'ai choisi. Et en fait, c'est presque un avantage déguisé, ce petit bug, parce que du coup, ça me permet de voir en noir et blanc, de faire abstraction de la couleur et de voir uniquement, de me concentrer sur la lumière, les tons clairs et foncés. Donc voilà. Enfin bref, c'était juste une petite aparté, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et donc je vais juste prendre quelques photos en ville, dans le centre de Brest. Là, c'est la mairie de Brest. Il est pas impossible, ceci dit, que je passe toutes mes photos en noir et blanc après, parce que j'aime bien le noir et blanc, donc autant embrasser le truc. Ok, donc je suis donc à l'arrêt porte de Plouzanet. J'ai déjà fait environ 3 km pour aller au centre-ville pour prendre le tram. Et là, je vais pédaler jusqu'au phare du Petit Minou. Donc je sais pas si je vais le voir parce qu'il y a pas mal de brouillard aujourd'hui. Mais je vais prendre quelques photos en chemin. J'ai mon appareil, donc le TZ80 aujourd'hui. Le phare du Petit Minou.